C'est toi sur la route. C'est moi. Et salut tout le monde, donc on se retrouve sur H1Z1 avec une caisse les gars. Donc c'est parti, je monte dedans. Oh là là. C'est moi qui conduis. Vas-y, monte dedans. Ouais. C'est parti les gars, donc grosse voiture. Putain les gars, grosse équipe, on descend du nord avec voiture, DH, on est blindé là. Là on est blindé. Donc on va faire les courses, on peut tirer même des câbles. Là comme ça paye. Donc c'est donc c'est super. Ouais. Et qui fonctionne, ce qui n'a vraiment pas beaucoup. Il y a vraiment peu de véhicules. Là on sort d'une zone, il n'y a pas grand monde. Et c'est vrai que qu'on a trouvé du fin. Du coup notre ami Inoxys nous a ramené la surprise. Je sais pas si on peut allumer les phares ou quelque chose. Je sais pas, touche pas trop les boutons non plus, on sait jamais. Donc là on a 91% de fuel. Alors je sais pas ce qu'on peut. Ouais. Non, n'importe quoi. On a 91% de vie de santé mais 40% de fuel. Voilà. Donc c'est pas ouf. Alors niveau essence, on sait pas trop comment on va se débrouiller parce que j'ai pas trop vu de bidon ni rien. Donc là je crois qu'on va esquiver, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là en gros on descend du nord sur la gauche de la map. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire de notre voiture, je sais pas, on va essayer de... Ah tiens, y'a un mec, j'essaie de rouler dessus. Putain, il passe à travers. Non, il est mort. Sérieux? Ouais, je crois que son corps il bouge plus. Si, fais gaffe quand même. Non, il est là le mec hein. Barre-toi. Bon allez, on y go. Oh la ville. Donc 38% de fuel. Bon, hein. On se planque, on va faire du cross, on fait quoi? Non, vas-y, roule, on profite. On profite qu'on a la caisse. Mais attends, tu veux conduire ou pas? C'est toi qui l'a ramené, hein? Non, t'inquiète, j'ai conduit. Y'a un mec qui est monté dans le coffre ou quoi? Y'a un mec qui nous parle là. Tu l'as aussi toi, sinon, à gauche? Ah. Il est à côté du panneau. D'accord, ça va. Bon, du coup, gros véhicule. Est-ce qu'on peut faire des effets de vue ou pas? Allez, la grosse équipe, on part en vacances là. Ah, c'est cool. J'ai plus de nourriture. Ah, t'as plus de nourriture. Bah attends, on va essayer de se cacher. Là, c'est quoi? C'est un tunnel ça devant ou bien? Oh, il est bouché. Là, il est bouché, putain. Non. Attends, on a qu'à rester là, peut-être se planquer 2 minutes. Ah, y'a un mec là. Hello? Who are you? Attends-moi. Ah, c'était toi? Putain, j'ai vu un mec derrière la barrière, je fais non. Bah donc là, on se retrouve, putain, c'était Inoxys. Désolé, petit coup de stress là. J'avais pas vu qu'il était descendu. On voit complètement rien avec ce temps de chien là. Du coup, voilà, donc un pick-up. Donc après, je sais pas niveau vitesse si les autres véhicules iront plus vite. Bon, celui-là il est pas super rapide, mais c'est pas non plus la mort. Donc voilà. On a rencontré un cul-de-sac. Ouais, donc un cul-de-sac, première fois que je vois ça. D'ailleurs, sur la map, je vois pas ce cul-de-sac là où il peut être. Ah, si, c'est le truc le tout petit trait. Mais c'est censé avoir. A droite, c'est à gauche, c'est une route, tu penses là ou. On a un 4x4 ou on a pas un 4x4, Adrien? Vas-y, qui tente rien à rien, allez hop. Attends, je vais vite fait prendre des petites. Des murs? Est-ce que tu veux que je te passe des murs ou pas? J'y vais. Ok, ça. En fait, quand je vois descendre du véhicule, je te vois vraiment. Enfin, on te voit pas descendre en fait. J'ai même pas l'impression que tu ouvres la portière ni rien. Je pense. Ouais, du coup, c'est peut-être pour ça que. Tout à l'heure, j'avais pas capté. Alors. Qu'est-ce qu'on fait pour éteindre le moteur? Il faut descendre. Descends pas, j'ai rien. Vas-y, conduis, je te laisse conduire un petit peu. Non, vas-y, t'inquiète. Là, c'est bon, je suis passager. Là, c'est un an. Ah non, c'est ouais, je suis bien passager, donc c'est toi qui conduis. C'est parti. Alors, on peut se nourrir lorsqu'on est dans le véhicule, c'est plutôt bien. Ah, on peut se nourrir dans le véhicule, ça c'est sympa.
Merde! Attends, j'ai sauté comme un con. J'ai voulu appuyer sur l'inventaire. Fais gaffe, roule pas. Je crois qu'on passe à travers de toute façon de la caisse. Et si je rentre dans le coffre comme ça? Non, le zombie qui est par terre, je viens de... Non! Non, je suis mort! Non! J'ai sauté à l'arrière, je suis dead, mon gars. Attends, je reste comme ça. Du coup, il reste 28% de fuel, donc on va s'amuser. Là, je suis accroché à la caisse, mec. Est-ce que l'espace s'attire le câble? Du coup, ben moi je suis complètement mort. Bon, ça aurait été une courte vidéo. On a pu voir un véhicule et ça, c'est beau. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dommage pour le temps, quand même. Ouais, c'est vrai que le temps, ça c'est un peu tout foiré. On n'a pas pu montrer les limites de ce véhicule. Là, je suis bloqué dedans. On peut voir un bug magnifique. Je crois que tu me freines, mec. Tu me freines. Ouais, j'ai l'impression. Attends, je reste comme ça parce que ça me fait bien rien. Je vois même plus le véhicule. Alors là c'est parti en bug, mais de ouf, mon mec il vole. Bon, je crois que c'est la fin de la fin. Je suis pendu par je sais pas trop où. Bon ben voilà, donc on se quitte ici pour ce petit bout de vidéo. Mais voilà, du coup les véhicules ils sont trouvables, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça existe, il faut pas désespérer. Voilà, allez, ciao tout le monde.